Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre de distribution d'un don ou bien de colis alimentaires, n'est-ce pas, venant de notre artiste, l'international Dr Sékou Keïta, n'est-ce pas, qui a un peu compris l'importance ou la quintessence du mois de Ramadan, qui est un mois béni, un mois sacré, n'est-ce pas, associé un peu, n'est-ce pas, à la générosité ou bien au partage. C'est ce qu'il a compris. Il a tout le temps œuvré dans ce sens. Et cette fois-ci, il est allé plus loin encore, en dotant ses fans d'arrêts alimentaires de première nécessité. Il s'agit notamment du riz, du sucre et de l'huile. Le montant approximatif peut tourner autour de 2 millions normalement. Il est destiné aux fans cette fois-ci. Au fans club de la région, même ceux qui sont pas dans la commune, l'essentiel c'est d'avoir la carte de membre du fans club. Non, il n'est pas son premier geste, il a tout le temps œuvré dans ce sens. On a fait d'abord à Tobor, chez les malades mentaux de Seigne-Dame, n'est-ce pas, dans les églises des paroisses à Tilène, parce qu'on sait que nous partageons les mêmes valeurs avec la communauté chrétienne, et je profite de l'occasion aussi pour leur souhaiter un joyeux Pâques, n'est-ce pas. C'est une belle coïncidence normalement. On a œuvré aussi on a fait des essais dans les prisons, n'est-ce pas? Sékou Keïta, c'est vraiment un artiste, mais aussi un héros de la générosité aussi. Tout le monde le connaît,